Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Comme un grand nombre de Français, Charlotte Gainsbourg, la star de la chanson, a été perturbée psychologiquement par l'épidémie de Covid-19 en 2020, alors que le globe vivait à l'ère des restrictions sanitaires. L'artiste a en effet fait le choix de revenir dans l'Hexagone, où elle avait ses projets, mais surtout sa famille. Elle était alors en plein tournage de film hommage à sa mère, Jane par Charlotte. Un projet qui lui a permis de ne pas sombrer, malgré le soutien de son compagnon Yvan Attal et de ses enfants. Dans ce contexte si particulier, l'artiste était déprimé. Nous avons filmé à New York pour adoucir le climat. Mais c'est en rentrant à Paris, au moment de Covid-19, que tout a démarré. Je suis entré en dépression, mais j'avais prévu de filmer. Je me suis tenu et ma mère m'a beaucoup aidé. Confie Charlotte Gainsbourg dans une interview à retrouver dans l'édition de Version Femina du 22 novembre. Alors que depuis 2013 et la mort tragique de sa sœur Kate Barry, à l'âge de 46 ans, Charlotte Gainsbourg a fait le choix de vivre à New York aux États-Unis pour se changer les idées. Le Covid l'a fait rentrer en France pour un moment. Pendant cette épreuve, elle a pu compter sur sa mère pour lui remonter le moral lors du tournage de leur documentaire qui leur a permis de passer beaucoup de temps ensemble, ce qui a sans doute été le meilleur antidépresseur. J'ai été dans une détresse. Enfin, je n'allais pas très bien à mon retour. Et là, c'est toi qui m'as aidé et soutenu, avait déjà raconté la fille de Serge Gainsbourg, lui aussi sujet à la dépression, dans une interview croisée accordée aux Parisiens en juillet dernier. Une version des faits qu'avait alors confirmé les moments. Ce sont les moments où tu as eu une vraie utilité. Un mot affreux pour une mère. Mais tu peux montrer que tu es là. Je la voyais, étant si mal. Et j'ai cherché d'autres solutions pour l'apaiser dans son retour à Paris, avait reconnu Jane Birkin dans les colonnes du quotidien. Quand ça va mal, ma mère redevient une mère, avait résumé Charlotte Gainsbourg dans le média belge le soir l'été dernier. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.